restons dans la transmission du geste avec un focus sur l'outil en main. L'association intergénérationnelle, qui compte 10 antennes dans le département, propose sur son stand différents ateliers, comme ici l'art floral. On leur apprend à confectionner un petit bonbon de fleur. On met un petit peu d'oasis, c'est-à-dire de la mousse qui se trempe. Hein, qui conserve la fraîcheur des fleurs. Hein. Après, on met le feuillage et ensuite, on dispose les fleurs. C'est une petite composition très simple, mais qu'ils vont pouvoir emporter. Mécanique, couverture, menuiserie, mosaïque, le choix est large et les enfants sont conquis. Là, ils sont là depuis ce matin et ils ne quittent pas le lieu. C'est des passionnés. Et les enfants, ils découvrent les vrais gestes avec de vrais professionnels, de vrais outils. Donc je me répète, dans un vrai atelier, c'est ça qui est important, c'est le geste précis. Ils apprennent à tenir un marteau, un tournevis, planter un clou. On leur montre comment faire. Et derrière, c'est eux qui réalisent. L'outil en main propose des ateliers tous les mercredis après-midi sur inscription pour les enfants de 9 à 14 ans et recherche des bénévoles motivés et plein de projets.